est des traditions selon les règles qui régissent le fonctionnement de l'appareil administratif centrafricain qu'une fois une personnalité du pays nommée soit installée dans ses fonctions régaliennes. C'est dans ce contexte que le nouveau directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, en abrégé CNSS, Vianney Marius Tedengue Tagou, a été installé ce vendredi 30 juin au siège de la dite institution dans ses nouvelles prérogatives. La cérémonie d'intronisation de ce haut cadre et commis de l'État est placée sous la présidence du ministre en charge du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale, en l'occurrence Madame Annie-Michel Mwanga, entourée des membres du conseil administratif de cette institution. Le ministre en charge du Travail, en sa qualité de ministre de tutelle de la Caisse nationale de sécurité sociale, a brièvement rappelé la brillante nomination de M. Vianney Marius de Tedengue Tagou à la tête de cette institution para-étatique. L'oratrice a saisi cette ultime occasion pour exhorter le nouveau dirigeant de la Caisse nationale de sécurité sociale à faire preuve du mérite de la confiance qui lui est assignée par les plus hautes autorités et dignitaires du pays. Je veux dire que c'était un long parcours et qui a donc été couronné par ce que vous venez de constater. Donc c'est vraiment un sentiment de joie et de satisfaction en même temps. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes mots de circonstance, les défis sont énormes. Aujourd'hui, nous avons notre priorité, c'est déjà la satisfaction de nos assurés sociaux qui passe par la qualité de service rendu à ces assurés sociaux-là. C'est vraiment la priorité des priorités. Mais vous savez, pour atteindre cela, ben, il faut tout naturellement observer certains préalables. C'est ce que nous sommes en train de faire, qui passe déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, par l'identification biométrique de nos assurés sociaux, ce qui nous permet de sécuriser leurs droits et d'éviter ce qu'on appelle la corruption, d'éviter les paiements indus. Parce que là, les vrais bénéficiaires vont percevoir leurs droits. Je suis le pur fruit de cette institution. D'accord ? Si vous voyez mon parcours, j'ai commencé vraiment au bas pour être au sommet aujourd'hui. Ça veut dire que nos clients, je les connais. Nos clients, ce sont nos assurés sociaux. Je les connais. Et donc, ce que j'attends d'eux, c'est de faire confiance à la nouvelle équipe dirigeante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons tout pour garantir la pérennité de notre régime de sécurité sociale. Et leurs prestations sociales vont continuer à être servies à terme échu et de manière régulière.